Alpas est née à l'initiative d'étudiants de la fac de sport. Ça veut dire activités et loisirs éducatifs pour personnes avec autisme. Les enfants autistes ont beaucoup d'attrait vers les activités sensorielles. C'est pour ça qu'ils font des stéréotypies, des mouvements répétitifs. Et du coup, au travers le sport, on peut leur faire retrouver ces émotions-là dans des activités à forte dominante émotionnelle, le cirque avec l'équilibre, l'acrobranche, ce genre de choses, le surf, le ski nautique. Ils apprennent à évoluer avec les autres et à pouvoir le réutiliser après dans la cour de récré, dans leur école, dans les autres moments de la vie, quoi, ou avec les frères et sœurs même. L'objectif de mixer les publics, pouvoir participer au changement de regard de la société sur le handicap. Les enfants autistes, souvent, ils apprécient une activité ou deux, donc ils ont des centres d'intérêt très très restreints. Et en fait, à l'ALPA, ils apprennent à découvrir plein d'activités qui finalement leur font plaisir. Donc ils apprennent le plaisir de faire. Grâce à ces bénévoles, il y a cette prise en charge-là dans le domaine du loisir qui soulage les familles et qui fait du bien aux enfants.